L'ONG JVE, entendez Jeunes Volontaires pour l'Environnement, a appuyé les communautés du village de Pelletikor à élaborer puis valider leur agenda 21, un document de planification pour un développement durable de la localité. Il s'agit en fait d'une feuille de route pour mieux gérer les ressources. Il s'agit donc en fait d'une feuille de route pour mieux gérer les ressources. Et hier, à Pelletikor, le ministre de l'Environnement représentant le Premier ministre et son collègue auprès du président de la République chargé de la planification ont participé à la validation du document. Le reportage est signé Edem Soussoupo. L'agenda 21 local du village de Pelletikor, situé à près de 30 km de la ville de Palimé, constitue un outil de développement et de planification au niveau local. Conformément aux recommandations du sommet de la Terre à Rio en 1992, la localité s'est engagée, il y a un an, à élaborer un plan de développement durable. Aujourd'hui, c'est chose faite. Le document validé comporte 13 grandes orientations avec 42 actions à mener progressivement tout en renforçant la résilience de la population. À ce titre, l'agenda 21, document du 21e siècle, prend en compte les questions environnementales, sociales et économiques du milieu. Dans le domaine environnemental, l'agenda 21 va préciser très clairement qu'il faut arriver à trouver un juste milieu entre les besoins de cette communauté et ce que la terre, la ressource a à offrir. Ce document va également mettre l'accent sur la nécessité de former une jeunesse épanouie, prospère pour l'avenir. Sur le plan économique, l'agenda 21 va préconiser des actions pouvant permettre de pouvoir arrimer l'investissement privé, arrimer l'activité commerciale dans une responsabilité sociétale et environnementale. Dans le domaine plutôt social, le document agenda 21 va démontrer les besoins de ce village. Et sans embâche, le document dit qu'il faut réorganiser la structure. Ça veut dire tout simplement élire un chef avec ses notables. Pour réussir la réalisation de ce projet, le village va cotiser, va se mobiliser. Et le village sera aux côtés du CVD dans toutes ses actions. En 2020, soit 8 années après l'élaboration de l'agenda 21 local de Pelletikor, le comité villageois de développement, cheville ouvrière de sa mise en œuvre, fera un bilan global du travail effectué pour de nouvelles orientations jusqu'en 2025. Un véritable cas d'école pour mieux accompagner les actions gouvernementales à la base. Les défis identifiés dans votre document sont le reflet de la situation nationale. Les changements climatiques, la sécurité alimentaire, la conservation de la biodiversité, l'agriculture durable, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la responsabilité sociale des entreprises et la protection du patrimoine culturel sont autant de défis au plan national. Je note particulièrement avec satisfaction que dans votre agenda local, l'une des préoccupations est la gestion durable de la biodiversité. Les partenaires de l'ONG JVE ainsi que le gouvernement togolais sont appelés à appuyer toute la communauté de Pelletikor afin qu'elle réussisse ce coup d'essai mis en place dans seulement 6500 communautés à travers le monde. Le volet planification énergétique est également développé par l'agenda 21.